Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est l'émission des personnes curieuses. Alors dans cette période un peu brutale, un peu troublée, on s'est dit que un peu de délicatesse, un peu de poésie, un peu de tendresse, de prendre le temps d'avoir le temps, nous ferait du bien. Et pour ça, on s'est tourné vers un auteur, un artisan qui nous touche énormément, qui est personnellement, je pense, le plus grand auteur de l'animation, du film d'animation française, qui est Jean-François Laguilloni, avec lequel on va faire salon pendant une heure et demie. Jean-François Laguilloni, en deux mots, très rapide, c'est une sorte de poète, c'est un artiste de la délicatesse qu'il exprime et qu'il décline tout au long de six films, longs métrages et d'une petite dizaine de cours. On fait salon, c'est cette découverte, ce voyage fabuleux avec Jean-François et nos chroniqueurs. C'est tout de suite, c'est maintenant. Alors Jean-François, bonjour. On est content de te retrouver sur tes terres bretonnes et de faire salon avec toi pendant cette émission. Mais, comment vas-tu? Oui, très bien, merci. Oui, de mieux en mieux. on est très touché que tu aies accepté de participer à cette émission, car tu es rare et tu es assez discret de nature, je crois, et tu n'apparais pas souvent dans les médias. Donc, on te remercie énormément et on est très, très touché de faire cette émission avec toi. C'est un plaisir. Eh bien, je vais te présenter les chroniqueurs et co-animateurs de l'émission. On a Stéphane. Comment vas-tu, Steph? Steph? Micro. Tu m'entends? Bon, Stéphane va revenir dès qu'il aura résolu son problème de micro. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. On te retrouve avec une petite sélection de livres tout à l'heure. On a aussi Matt. Oui, bon. Donc, toi, tu vas nous faire une sélection d'animés modernes, contemporains, qui vont sortir, qui sont attendus, ou qui sont récents. Oui, je vais surtout vous parler d'un studio qui s'appelle Bobby Prod. D'accord. Pardon? Bobby Prod, on voit ça tout à l'heure. Stéphane, t'es revenu? J'espère, dis-moi. Oui. Oui, voilà, voilà. Bon, donc là, le micro, il fait juste déco, hein, parce qu'en fait, il ne marchait pas du tout. Voilà. Bon, écoute, c'est une très belle déco. Toi, tu nous as sélectionné, on va dire, les pépites de l'animation française. Oui, c'est ça. En dehors des films de Jean-François, les autres grands films qui ont fait l'animation française, en fait. Exactement, un petit historique de la production française. Et je voulais juste te dire que tu as signalé tout à l'heure que Jean-François était la délicatesse incarnée. C'est très bien, ça va contrebalancer un petit peu ma propre personne. C'est très bien. Eh bien, écoute, on est très contents. Vous êtes sur le chat pendant 7 heures et demie d'émission. Une heure et demie d'émission, que ce soit par Twitch, Facebook ou YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. On les remonte à Jean-François directement. Eric dit un grand merci pour cette rencontre. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à participer, à commenter ou à poser vos questions, on remonte tout. Alors Jean-François, pour lancer l'émission, une question assez simple pour commencer en tout cas. Tu préfères qu'on te présente plutôt comme un réalisateur de films qu'un réalisateur de films d'animation? J'ai toujours pensé que je faisais d'abord du cinéma. Je suis dessinateur par vocation enfantine, si je puis dire, et même parce que je ne savais faire que ça. Et donc, mais j'avais envie de faire du cinéma. Sans doute un caractère qui me rendait la prise de vue réelle à peu près impossible. Une timidité maladive, voilà. Donc, ça, et j'ai cherché une technique qui pouvait me satisfaire. Et l'animation, c'est un truc merveilleux pour les gens timides. Alors, tu as commencé avec L'Ombre chinoise avant d'être dans cette industrie qui est celle du cinéma. Tu as rencontré Grimaud et tu t'as exploré, comme on va le voir tout à l'heure, à peu près tous les outils ou les médiums possibles, le papier découpé, la peinture, le dessin animé, jusqu'à la 3D et la prise de vue réelle. Donc la technique, en fait, n'est qu'un outil
pour la créativité, si je comprends bien. Non, mais il faut quand même savoir qu'il n'y avait pas d'école à cette époque. Oui. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'ordinateur non plus. Et par contre, il y avait des caméras sur des structures métalliques qu'on appelait un banc-titre. Et c'était une machine assez extraordinaire. Il y en avait dans le monde entier, chez des artisans qui vivaient secrètement et qui faisaient des merveilles, principalement les plus belles en Europe centrale, que j'ai découvert en faisant mon premier film chez Grimaud. Il y avait une machine comme ça. Voilà, donc le papier découpé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à animer, hein. Quand on ne connaît pas la technique de l'animation 24 dessins par seconde, qui était l'art de Paul Grimaud, eh ben, il faut se rabattre sur des choses faciles à manipuler. D'accord, donc là on a justement une photo de vous tous ensemble, où on Avec te, Jacques Colomba. avec Jacques Colombin, toi et Paul Grimaud. Alors, Jacques était pour moi l'artiste le plus doué de cette génération de cinéastes. et qu'est-ce qui vous faisait, qu'est-ce qui vous donnait à ce moment-là cette fougue pour cette envie de créer? Parce qu'on a eu, Stéphane va en revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est une période qui a été excessivement créative pour l'animation française. C'était le plaisir, c'était une bande de copains, c'était le défi technique, c'était quoi le moteur? C'était un choc à propos d'un court-métrage qui est Le Petit Soldat de Paul Grimaud, que je suis allé voir à la Pagode, un cinéma Oui, à extraordinaire Paris, qui a fermé, mais qui va réouvrir, hein. à Paris, qui va réouvrir. Ça, c'est quelque chose c'est une très bonne nouvelle. Et Le Petit Soldat, la poésie qu'il y a là-dedans, avec Jacques Prévert, qui était co-auteur du scénario, ça m'a bouleversé. Donc je ne savais pas comment c'était fait, mais comme j'avais envie de raconter des histoires, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être essayer, pas d'en faire autant, bien sûr, mais en plus, comme j'étais chez Grimaud, Grimaud était un personnage, un espèce de géant débonnaire et tellement sympathique que les choses semblaient simples, semblaient faciles. Et il m'a dit, bon, ben, il y a une caméra dans un coin qui ne sert pas beaucoup en ce moment. Jacques va te montrer comment on charge la pellicule. Et puis voilà, tu fais ce que tu peux et puis on verra ensuite. Mais c'est devenu La Demoiselle et le violoncelliste. Mon premier film, mais j'étais tout petit, hein, j'avais 23 ans, 24 ans peut-être. Et comment s'est faite la rencontre avec Grimaud, en fait, à l'origine? Alors c'est Jacques. Jacques avait déjà fait un film merveilleux qui s'appelle Marcel, ta mère t'appelle, en papier découpé aussi. Et on était à l'école des arts appliqués ensemble. Grimaud était venu présenter des films, on était assez impressionnés. Et Jacques a fait ce premier film, moi j'ai continué à l'école et puis il m'a proposé de venir le rencontrer. Je suis arrivé avec mes petites histoires parce qu'il y avait avant tout des histoires écrites et ça a été comme ça toute ma vie, hein. C'est d'abord quelque chose que j'écris sur des bouts de papier, sur des carnets, des cahiers. Il y en a qui donnent lieu à des bouquins comme le dernier qui vient de sortir, là. Et puis voilà. Donc, en fait, vous définissez comme un conteur ou un raconteur d'histoire, un metteur en forme d'histoire, et peu importe le support, en fait, l'animation s'est trouvée le plus pratique à ce moment-là, c'est ça? Oui, je suis un raconteur, c'est vrai, vous avez raison, c'est une bonne formule. Et puis ensuite, les moyens peuvent être différents. J'étais même très attiré par la prise de vue réelle, mais comme je vous l'ai dit, ça correspondait pas à mon caractère. J'ai quand même travaillé sur l'adaptation d'un long métrage d'après le Baron Percher d'Italo Calvino, que j'avais rencontré à Paris.
j'avais fait l'adaptation et le film s'est pas fait, et finalement, heureusement, parce que je pense pas à cet âge avoir eu les armes pour réaliser un long métrage en prise de voyage. Alors, c'est le cursus est quand même impressionnant. On a 6 longs métrages et 10aine de courts. Et surtout, c'est les derniers. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup le plus surpris, c'est qu'ils semblent assez rapprochés. Le tableau 2011, Louise en hiver 2016, 2019, Le voyage du prince, Skolum que l'on attend, dont on parlera un petit peu. Ça s'est enchaîné. À un moment donné, c'est tombé comme ça à la fin des derniers. Ah, vous trouvez que ça va trop vite? Ah non, 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 moi j'aimerais bien qu'il y en ait plus, hein. C'est la première fois qu'on me dit ça. Non, 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 mais je serais d'accord qu'il y en ait plus, hein. Moi je suis demandeur. Mais Oui. je trouve qu'il y a eu une accélération à un moment donné, en fait. Oui, mais ça dépend du financement des films. C'est un problème qui ne concerne pas les auteurs. Un film d'animation, c'est quand même très long à faire, mais c'est surtout très long à financer. Donc, il se passe des années entre chaque film. Mais Moi, je pourrais faire un film presque tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça s'est jamais produit. Ça s'est produit peut-être avec Le Voyage du Prince parce que je finissais Louise en hiver et j'avais un copain merveilleux qui s'appelle Xavier Picard. Qui m'a proposé de commencer la réalisation du voyage pendant que je finissais Louise en hiver. Alors justement, le voyage du prince, là sur le chat, quelqu'un dit, je voulais dire que ce film, il est passé à la télé il y a quelque temps, je l'ai vu avec ma fille de 12 ans et nous avons tous les deux adoré. Voilà. Et quelqu'un d'autre dit, je crois qu'il y a un peu du Baron Percher et de Calvino dans tous les films de Jean-François, dans le voyage du prince, que c'est presque déclaré, peut-être. Ah oui, mais il y avait un autre film. J'ai fait mon deuxième long métrage s'appelle Le Château des singes. Et ça s'est pas très bien passé parce que je sortais d'un échec terrible avec le premier long métrage, Oui. qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Gwen. Donc Gwen est parmi vos préférés alors, c'était une des questions, d'accord. Oui, au niveau de la poésie, justement, de l'image, du bonheur qu'on a eu de travailler ensemble. Alors, on était 6 pour faire un long métrage, vous vous rendez compte. C'est pas grand-chose, ouais. Après, j'ai fait des films où on était 300, donc c'était un peu caricatural. Et ce film n'a pas trouvé son public parce qu'il, à l'époque, le film pour adultes, et plutôt contemplatif ne marchait absolument pas. Et Walt Disney était encore tellement prépondérant qu'il a imposé à la planète entière un dessin animé pour enfants pratiquement systématique jusqu'à il y a 15 ans. Oui, Pixar a rendu le dessin animé pour adultes populaire en fait. Voilà. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, je sortais de cet échec et je suis resté 10 ans sans faire de film. J'ai créé un studio, La Fabrique. Et on m'a conseillé, si je devais refaire un film un jour, de faire un film un petit peu plus accessible. Alors, j'ai écrit Le Château des singes, une fable. Mais c'était une énorme coproduction européenne, il y avait beaucoup de monde, le film a coûté très cher et j'avais envie de revenir plus tard à quelque chose de plus artisanal. Et Le Voyage du Prince, c'était un peu pour un petit règlement de compte avec le Château des singes. Voilà. Alors, oui, alors, donc c'est le retour des singes, mais c'est le propos est différent. On reconnaît le muséum d'histoire naturelle qui est omniprésent, la Belle Époque, le voyage du prince, c'est fantastique. Oui, c'est ce prince qui a le port altier, qui arrive dans un monde où on sent assez compliqué, un pays au système politique compliqué, qui se fait manger par la forêt, et qui est ce petit garçon avec qui il part, il voyage.
et ils vont découvrir différents endroits, aussi bien géopolitiques que sur la nature. Et là, il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve partout chez vous. Le rapport au temps, on a le temps de prendre le temps, d'avoir le temps, la découverte, le dépassement, la transmission entre ce petit et ce grand singe. Il y a beaucoup de choses dedans, en effet. Et il est très touchant et il touche aussi bien les enfants que les adultes, celui-là. C'est l'histoire d'une amitié entre un gamin et un vieil homme, ou un vieux singe, parce que naturellement, ces singes, sont des personnages comme vous et moi, donc ils sont. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette histoire avec Annick Leray est scénariste. On a travaillé ensemble déjà sur Louise en hiver et surtout sur Le Tableau. Oui, dont on va parler aussi, qui est fantastique. Le tableau, Matt, toi, tu l'as adoré, le tableau. Et oui, bah, je les adore tous. Enfin, je ne les ai pas tous vus encore, mais c'est en cours. Mais Alors. y a un truc que je voulais savoir d'ailleurs, c'est que le réalisateur Miyazaki, le réalisateur japonais, et son producteur malheureusement décédé, Isao Takahata, leur référence, c'est vraiment Le Roi et l'Oiseau et aussi Le Petit Soldat. Est-ce Oui. que, vous savez s'ils ont vu vos films? Parce que je pense qu'ils peuvent totalement se retrouver aussi Oui, dans vos je films. sais qu'ils ont vu mes films. Takata, je l'ai rencontré plusieurs fois. La première fois que je l'ai vu, il m'a parlé immédiatement de La Demoiselle et le violoncelliste qu'il avait vu il y a très longtemps, naturellement. Et je l'ai rencontré ensuite. Il nous a invités au Japon, Jacques Colomba et moi. Et c'était un moment assez fabuleux. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié sa culture, sa délicatesse. Mais alors, le cinéma japonais est tellement riche, tellement foisonnant et tellement diversifié, quoique avec un style graphique souvent assez proche, Oui. que les longs métrages européens ont du mal à être distribués là-bas. Si ce n'est un film qu'il a fait avec Michael Dudok de Witt, le studio Ghibli, le même studio que Takahata et Miyazaki, La tortue rouge. La Tortue Rouge. Et alors ce film-là est intéressant parce que c'est vraiment un lien entre deux cultures de l'animation assez différentes, mais qui laissent espérer d'autres coproductions de ce genre. Pendant que vous nous expliquez tout ça, je vais mettre la bande-annonce du Voyage du Prince et je vais vous mettre en petite vignette. Sur le chat, on me dit justement que hop, attendez, j'ai fait mon réglage. Voilà, on met la bande-annonce là du Voyage du Prince dont on parlait. Eric dit sur le chat que le Voyage du Prince à Annecy en 2019, pour lui, était le meilleur long métrage de l'édition 2019. Et Marc, qu'on salue et qu'on est content de retrouver, nous dit qu'il trouve la même poésie, la même tendresse dans vos films que le chant de la mer, si vous connaissez aussi. Oui, ben ça fait très plaisir, bien sûr. Alors justement, la mer, elle est assez présente dans tous vos films. C'est par hasard ou il y a une volonté de montrer, de mettre en scène la mer? Non, j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est quelque chose qui est tellement naturel que j'ai du mal à pas mettre de l'eau, tout au moins, dans un de mes films. Dans Le Voyage du Prince, il n'y en a pas beaucoup, Non. mais dans la plupart de mes films, il y en a beaucoup, même peut-être de façon exagérée, j'en sais rien. Et pourtant, la mer, c'est quelque chose qui est très difficile à animer. Donc, la première fois que je me suis confronté à ce problème, j'en ai fait quelque chose de tellement abstrait avec La Demoiselle et le violoncelliste que ça faisait naturellement rigoler tous mes collègues, mais
ça passe peut-être mieux que lorsqu'on essaye de la faire de façon plus réaliste, comme dans Louise en hiver, par exemple. Oh, elle passe bien aussi, quand même, hein, dans Louise en hiver. On l'a, la mer, elle est évidemment omniprésente dans la traversée de l'Atlantique à la rame, donc qui a été multiprimée, Palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes, Grand Prix du Festival international du film d'animation d'Ottawa, César du meilleur court-métrage d'animation, et pour une histoire fantastique. C'est la vie d'un couple avec tous ses hauts et ses bas et toutes ses tempêtes et les remous. Il est très émouvant et dès le début, on a toute cette poésie, on a toute cette tendresse qui ressort là énormément aussi. Alors, vous voyez que l'animation est là aussi très rudimentaire. C'est la même animation que dans mes premiers courts-métrages, c'est-à-dire du papier découpé avec articulation, avec un petit bout de ficelle derrière les épaules, derrière les mains, derrière le cou. Et tout ça est animé avec un porte-plume sous la caméra, sur une table. C'est fou. Alors, on est aux marionnettes, en fait. C'est des marionnettes, quoi. C'est du papier. Oui, ils sont des petits pantins. Ils n'ont pas de volume. Hein. Ils sont peints avec un peu de volume, parce qu'ils sont peints à la gouache. Mais ils sont tout plats sur un décor qui est indépendant. Et alors tout ça se fait maintenant beaucoup plus facilement avec des ordinateurs, mais peut-être pas avec la même authenticité. Hein. Le problème de la 3D, c'est qu'elle nous fait perdre un petit peu du travail manuel. N'utilisez pas du tout la 3D, l'ordinateur. Si, tu vas voir, dans Louise, on est en 3D. Non, dans le tableau, on est en 3D à certains moments. Voilà, la 3D m'est apparue assez tard, parce que je trouvais ça vraiment vilain. Bah, c'est ce qu'on se disait quand on a un peu préparé l'émission, c'est que la 3D a longtemps été trop propre, en fait. Elle était... Je trouvais ça lamentable. Vraiment, j'avais l'impression de voir des robots et non pas de ne pas voir des personnages humains. Je pensais qu'il n'y avait pas d'âme et que c'était une enveloppe artificielle. Alors, quand on s'est attaqué au problème, c'est avec le tableau, c'est-à-dire le producteur m'a dit, bon, bah, écoute, t'es bien sympa avec ton travail sur papier, mais moi j'ai un studio industriel, hein, puisque le producteur fait des séries. On est obligé de travailler en 3D. Je dis, c'est pas possible. C'est une histoire sur la peinture. Ce serait une histoire sur la sculpture encore, je comprendrais. C'est l'histoire d'un sculpteur. Mais là, c'est l'histoire d'un peintre. Il dit, bon, écoute, on va essayer. Et finalement, ils ont réussi en trichant un peu, c'est-à-dire en rajoutant des coups de pinceau sur les personnages en 3D pour nous donner l'illusion que ce sont des personnages qui ont été peints à la main. Oui, on est content quand on le voit parce que cette 3D n'est pas une 3D, en effet, sans âme. Voilà, il n'y a pas de volume. C'est ça. Je crois que c'est, Matt, c'est ce qu'on appelle le cel shading dans le jeu vidéo. Oui, mais en animation aussi, hein. C'est une technique d'animation. Hein. C'est ça, oui, oui. C'est un peu le fait de tricher, de faire de la 2D avec de la 3D. Alors, dans le tableau, c'était intéressant parce que l'histoire même, l'histoire d'Annick Leray, c'est l'histoire d'un peintre. Mais il est en dehors de sa peinture. Et les personnages qui sont peints à l'intérieur du tableau vont arriver à sortir de leur tableau. C'est quelque chose une idée qui avait été déjà utilisée plusieurs fois, particulièrement dans Le Roi et l'Oiseau, il y a un personnage qui sort de son tableau. Donc, il y avait un autre monde, une autre dimension, qui était celle de l'atelier du peintre. Alors celle-là, on l'a faite en 3D également, mais de façon beaucoup plus réaliste. Oui. Voilà, avec du volume, des ombres, etc.
Et puis, moi, il me fallait une troisième dimension. C'est-à-dire, je trouvais que cette histoire ne devait pas avoir de fin. D'ailleurs, c'est une histoire de pas fini, alors ça va. Oui, Et c'est ça. ce qui fait que j'avais envie que les personnages sortent de l'atelier du peintre et arrivent à l'extérieur de l'atelier. Et à ce moment-là, on a eu l'idée de faire cette partie en prise de vue réelle. Voilà. Et qui passe très bien. Les petits bonnes, les personnages sont amenés dans la prise de vue réelle et le résultat est bluffant. Alors moi, ça m'avait fait penser le tableau à un roman qui s'appelle Flatland de Edwin Abbott, qui était un pasteur en 1839-1926. C'est l'histoire d'un segment de droite qui voyage, donc il est de la 2D, lui, puisqu'il est un segment de droite. Et il voyage dans le monde de la 1D, qui est dans la une dim de la dimension unique, qui est le trait infini. Et après, il va dans le monde de la 3D avec les cubes et les sphères. Et quand il rencontre le monde de la 3D, il leur dit, mais s'il y a une 3D, il y a peut-être une quatrième dimension, une cinquième dimension. Et là, il se fait traiter d'hérétique et ça va plus. Ah oui, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pasteur qui a écrit ça. Et là, c'est amusant parce qu'en effet, le démiurge, le peintre, est remis en cause, à la fin du tableau, en effet. Oui, et dans le dernier plan, on suggère même que le personnage qui est donc dans un jardin en prise de vue réelle se dirige vers la caméra. Et avec un nouveau cadre qui rentre dans le champ, qui fait que le personnage va sans doute passer de l'autre côté du cadre, c'est-à-dire qu'il y en aurait, il y aurait en effet une quatrième dimension, comme dans le livre dont vous me parlez. Et ça, c'est en effet, c'est déjà pas une mise en abyme, mais oui, c'est des effets de miroir qui rajoutent des dimensions et ça nous interroge en effet sur l'existence ou le sens de la vie. Un autre, moi, une question que j'avais sur un autre de vos films, c'est évidemment Louise en hiver, où on a ce fameux chien. Il est plus travaillé que tous les autres personnages, j'ai trouvé. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un pourquoi déjà? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais il est pas plus réaliste, mais il est différent de tous les autres. Hein. Alors là, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que, et ça se produit souvent quand on fait un film. Quand je fais un film, les images, en fait, je n'ai aucune idée du style que les personnages vont avoir à l'écran. Comment ça? Parce qu'ils ont toutes vos créations, chaque fois, c'est un style différent. On parlait de Miyazaki. Grosso modo, Oui. Miyazaki, c'est admirable, mais il y a deux ou trois périodes. Vous, Oui. chaque création est dans un style radicalement différent. Oui, exactement. Mais pour une raison simple, c'est que j'ai pas envie de travailler tout seul sur le film. Donc je m'adresse à des peintres ou à des décorateurs, à des graphistes qui ont leur propre style et dont j'admire le travail. Et j'ai envie de travailler avec eux. Mais mon film, avant de travailler avec eux, ce sont des croquis. Alors les croquis, ce sont les miens et ils sont toujours assez proches. Voilà, ça c'est un croquis rapide. Ce sont des croquis très rapides. Je fais comme ça sur la totalité du film. D'accord, donc Mais vous construisez le storyboard du film en une sorte fait. de storyboard, et voilà. Alors, en fait, je ne fais pas vraiment de storyboard. C'est-à-dire, je vous embête un peu avec Non, mais c'est très bien. mais c'est une manie que j'ai découverte. Il paraît que Miyazaki fait pareil. Alors, je ne sais pas comment il a fait pour me piquer ma méthode, alors qu'il est quand même à quelques kilomètres de chez moi. Mais depuis le Château des Singes, je ne fais plus de storyboard. C'est-à-dire, je dessine sur des grandes feuilles de papier des petits dessins en suivant les séquences, le plan qui est dans ma tête et qui est même sur une feuille de papier à côté.
Et tous ces petits dessins, je ne sais pas si vous en avez, Non. chaque petit croquis correspond à un plan du film. Mais je ne vais pas dessiner à l'intérieur d'un cadre. J'ai jamais pu me résoudre à dessiner à l'intérieur d'un carré ou d'un rectangle. Mais le rectangle, je le fais en photographiant mon dessin. Et c'est comme ça, si on veut l'imprimer, à ce moment-là, on a un storyboard. Mais la démarche est complètement inverse. Et j'ai l'impression, c'est un peu naïf de ma part, mais j'ai toujours l'impression de faire davantage du cinéma en procédant de cette manière, c'est-à-dire en photographiant mes dessins au lieu de dessiner à l'intérieur d'un carré. Le Voilà. carré vous bloque, ça vous emprisonne? Oui. J'ai l'impression, moi j'ai besoin de sauter par la fenêtre, hein, si on me donne une fenêtre. Voilà, c'est top. Ça n'a peut-être pas grande importance pour le public, mais j'ai l'impression quand même, parce que je mets de la musique tout de suite sur cette bande avec mes croquis, et je mets des voix provisoires. Donc je fais une maquette de film qui est extrêmement vivante pour la simple raison qu'elle n'a pas été encore définie par un style graphique. C'est D'accord. quelque chose de brut, quelque chose de malléable. Et alors après, on travaille avec le décorateur, le peintre, le graphiste, avec lequel j'ai envie de travailler, sur le style de l'image. Mais naturellement, il est différent à chaque fois. Mais ce n'est pas le plus important. Moi, l'image d'un film, ce n'est qu'une partie du film. J'accorde autant d'importance à la musique qu'au dessin du film, ou que le travail avec les acteurs qui vont faire les voix, ou avec naturellement le travail de mise en scène. Donc Voilà. c'est ça, c'est ce mot d'artisan, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté artiste et le côté l'artisan qui manie des techniques en fait. C'est vraiment ça, vous êtes un artisan plus que juste un artiste en fait. Oui, mais c'est un travail d'équipe aussi, c'est-à-dire c'est un artisan qui n'est pas solitaire, qui propose, qui fait les maquettes, mais ensuite, naturellement, la mise au point de l'objet, elle doit être collective. Je comprends. Alors avant qu'on passe à cette autre étape et qu'on continue à voir votre méthode de travail, moi je vous propose qu'on fasse un petit break avec Steph qui va nous parler des autres pépites qu'il y a dans l'animation française, qu'il y a eu et qui sont toujours des références. Steph, bah, Ouais. toi la main pour nous parler justement, on en a esquissé une tout à l'heure, je te laisse avoir la main sur les pépites de l'animation française. Eh ben oui, effectivement, parce que l'animation et la France, c'est une très très longue histoire d'amour quand même. Il faut savoir que le premier dessin animé de l'histoire, vous savez est-ce que vous savez, Jean-François, de quand il date le premier dessin animé de l'histoire, hein, le tout premier? Je crois même qu'il a précédé le cinéma, non? Absolument. Précédemment, ils ont grandi à peu près en même temps. Ouais. Il date de 1892. Il a été réalisé par Charles-Émile Reynaud et il durait environ une quinzaine de minutes. Alors, ce n'était pas un dessin animé au sens où on l'entend aujourd'hui avec une succession. C'était bien une succession de dessins projetés, mais ce n'était pas sur une pellicule. Reynaud utilisait un procédé de son invention, d'ailleurs, qu'il a appelé le théâtre optique, que je vais essayer de vous montrer là, si ça veut bien. Voilà. C'était basé sur le praxinoscope, qui était une autre de ses inventions. Et en fait, c'est un cylindre à facettes sur laquelle sont placés les dessins. Et en tournant suffisamment vite, ça donne l'impression du mouvement. Et donc, Reynaud avait inventé une machine qui permettait de diffuser, de projeter cette image sur un grand écran et donc de le projeter en public. Donc voilà, c'était son invention donc en 1892. Et pour la petite histoire, sachez que son premier dessin animé qui s'appelait de mémoire. Pépine. Pardon?
autour d'une cabine. Oui, c'était non, c'était Pierrot. Voilà, c'était l'histoire de Pierrot. Je vais vous retrouver le nom. C'est bizarre, je l'avais noté, je le retrouve pas. C'est voilà. Mais si pauvre Pierrot. Voilà, c'était pauvre Pierrot. Donc une quinzaine de minutes et réalisé avec 500 pauses. Je voulais faire le calcul. 500 pauses pour une quinzaine de minutes, ça faisait à peu près 1,8 pauses par seconde. Je vous laisse l'imaginer, voir la différence avec ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà. Et alors, je disais que c'était le premier dessin animé de l'histoire, il est vrai. Le premier dessin animé sur argentique, sur pellicule argentique, en revanche, lui a été américain. Il a été produit en 1906. Mais dès 1908, c'est-à-dire 2 ans plus tard, eh bien, Émile Coll, un autre Français, a réalisé un dessin animé qui s'appelait Fantasmagorie, qui durait 1 minute 40. Hein, les films étaient très, très courts à l'époque. Et qui a été le vrai premier dessin animé sur pellicule argentique. Voilà. Alors après, l'histoire continue comme ça pendant longtemps, mais on va sauter rapidement quelques décennies. On va arriver en 1973 avec ce film dont voici l'affiche, La planète sauvage. Fantastique. Réalisé par René Laloux sur des dessins de Roland Topor. Qui n'était pas n'importe qui à l'époque, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, et qui était juste extraordinaire, qui a été récompensé à Cannes. Il a reçu le prix spécial du jury. Ah oui, non, c'est pas L'Orpheline perdue, j'ai mélangé, c'est un autre. C'est adapté d'un roman qui est Homme sans série, oui, la planète sauvage. Oui, ben, c'est d'ailleurs, ça. Voilà. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que Jean-François, vous avez connu René Laloux? Oui, très bien, très bien. Et j'ai même connu René bien avant qu'il fasse La planète sauvage. Il avait fait un court-métrage merveilleux qui s'appelait Les escargots, avec oui. Déjà Roland Topor. Déjà avec Topor. Et même auparavant, il avait fait un film, il avait travaillé dans un asile psychiatrique et il avait réalisé un film avec les malades qui s'appelle Les dents du singe, je crois. D'accord. Vous le disiez, il a travaillé avec Topor, mais également après, il a fait un autre film qui s'appelait Les Maîtres du Temps, c'était en 82, et cette fois-ci avec un certain Jean Giraud, qu'on connaît plus sous le nom de Moebius. Oui, Les Maîtres du Temps, qui est fantastique aussi. Ouais. Excusez du peu quand même. Il en a fait un très beau aussi avec Casa, Stéphane. Ah bon ? Il s'appelle Gandhar, qui est absolument sublime, avec Philippe Casa. Que tu connais sûrement. Oui, je connais, mais bon, j'avais zappé cette anecdote. Allez, quelques années plus tard, celui dont vous parliez tout à l'heure, Jean-François, un certain Paul Grimaud. Hein ? Non, c'est avant ça. Non, c'est 1980 ça. Le Roi et l'Oiseau ? Le Roi et l'Oiseau, oui, 1980. Le film avait été commencé en. Il avait été bien avant, dès 46, je crois. Je parlais du. Et il y a une première version, effectivement, qui était intitulée « La bergère et le ramoneur », puisque adaptée du conte d'Andersen éponyme. Voilà, donc « Le roi et l'oiseau » qui, pareil, a reçu moult récompenses. Et puis, il faut noter donc, que Grimaud, dès 1936, avait cofondé une société de dessins animés qui s'appelait « Les Gémeaux », qu'il avait cofondé avec un certain André Saru. Et justement, alors j'ai lu une anecdote, vous allez peut-être pouvoir me dire si elle est vraie ou pas, Jean-François. Il paraît que Paul Grimaud passait son temps à vouloir contrer justement ce côté enfantin des dessins animés de Disney, enfin qui détestait ça et qui voulait justement lui proposer des dessins animés plus matures. Ben, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a démontré d'une façon formidable. Il détestait Disney. On peut comprendre. Voilà, c'est ça. Je n'osais pas le dire, mais vous le dites. Donc, il détestait Disney. Voilà. Et pourquoi vous disiez, Jean-François, on peut comprendre? On peut comprendre parce que autant quand j'étais très gamin, je pense que mon premier film, ça a été Blanche-Neige. J'étais terrorisé en voyant ce film, tellement il était efficace. Ma mère m'a dit que j'avais plongé sous mon fauteuil tellement j'avais la trouille. Et c'est un film que j'ai revu plusieurs fois, mais c'est absolument magnifique. Et l'émotion qu'il y avait, qui nous faisait pleurer quand on voyait Bambi ou des choses comme ça. Après, ça s'est devenu complètement déliquescent.
Et bref, ce qui nous déplaisait surtout, Paul Grimaud et moi, c'est que ça avait autant de succès, je pense. C'est aussi le fait qu'il n'y avait que ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie hégémonie et il était difficile d'exister en dehors de Disney. En dehors de Disney, oui. Puis une hégémonie qui a duré des décennies, hein, qui a duré très très longtemps. Quoi. C'était surtout ça qui était énervant. Ben oui, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Allez, on saute encore quelques années et on va du côté de l'Afrique avec ce film adapté d'un conte africain sorti en 1998, Kirikou et la sorcière. Alors, pour tous les parents qui avaient des enfants en bas âge à cette époque-là, je pense que Kirikou a dû en agacer plus d'un à la longue. Oui, oui, oui. Ah, j'ai pas d'enfant, mais oui, effectivement, c'est. Oui, non, mais pourtant, l'histoire est magnifique. Après, c'est vrai qu'il y a quelques répétitions volontaires, mais qui à la longue sont un petit peu lassantes. Mais l'histoire est magnifique. Et donc voilà. Donc j'ai dit en 98 de Michel Oslo, donc d'après un conte africain, avec deux suites derrière. Kirikou et les bêtes sauvages. Ouais. Alors excuse-moi justement, il y a une question sur le chat de Elust. Qui dit si la discussion le permet. Et là, la discussion le permet. Alors, est-ce que Jean-François, vous avez croisé ou travaillé avec Michel Oslo? Alors, j'ai connu Michel bien avant Kirikou, parce que il a débarqué un jour chez moi parce que son producteur parisien, Les Trois A, qui était avec Marcel Ponty et Jacques Rouxel, le papa des Shadok, oui. N'avait pas de caméra pour. Et j'habitais déjà dans les Cévennes, dans une masure, et Michel est venu avec ses papiers découpés et un sujet magnifique qui s'appelle Les Trois Inventeurs. Je crois que c'est son premier court-métrage en papier découpé que l'on a réalisé chez moi. Et ensuite, il a fait des ombres chinoises que j'ai produites, qui s'appelaient Cinéci et qui sont devenues Prince et Princesse par la suite. Des courts-métrages en ombres chinoises. Ouais. Donc, Michel, c'est un ami. Hein. Je le vois beaucoup moins, mais c'est toujours un ami. OK. Alors après Kirikou, donc je disais donc de suite, hein, effectivement, Kirikou et les bêtes sauvages en 2005 et Kirikou et les hommes et les femmes en 2012, un très très grand succès auprès du public quand même ces trois films-là. Autre pépite, un petit peu plus tard, celle-là, je pense que tout le monde en a entendu parler au moins une fois, Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, sorti en 2003. 4 nominations au César 2004. Alors, il n'a pas eu de prime, il a eu plein d'autres récompenses par ailleurs. Mais quand même, une très, très, très belle réussite également, qui s'est exportée également à l'étranger. Là aussi, on est sur du dessin, sur du film pour adultes, Jean-François, avec Les Triplettes. Oui, bien sûr. Ça a commencé à évoluer. Kirikou ne nous a pas aidé beaucoup dans ce domaine, parce que c'était avec le succès qui s'apparentait presque à celui de Walt Disney, on se retrouvait avec le même problème. Oui. C'est-à-dire des films essentiellement pour enfants. Heureusement, il y a eu beaucoup de... Alors là, ça a été le virage. La Planète Sauvage était un peu trop tôt, Gwen aussi, trop tôt. Mais à partir de Sylvain Chomet, des Triplettes, bon, les films un peu comme dans la bande dessinée, c'est un art qui est devenu adulte. Voilà, écoutez, moi j'ai à peu près fini ma chronique, j'aurais pu en citer plein d'autres, hein, des pépites, parce qu'il y en a eu plein, moi, je pense notamment à Un monstre à Paris, qui est beaucoup plus récent, mais qui était juste extraordinaire, avec une bande originale en plus génial. Je voulais juste terminer en citant quelques noms alors, de gens qui ne sont pas des auteurs d'animation à proprement parler, mais qui ont beaucoup contribué à la démocratisation et au succès de l'animation en France. René Goscinny, évidemment, producteur et scénariste, mine de rien, Astérix, Lucky Luke et tous les autres. Je voulais également citer Jean Chalopin. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Jean Chalopin, Jean-François. Oui, oui.
si vous l'avez rencontré. Mais difficile, effectivement, ce grand producteur et scénariste également aussi, de dessins animés. Alors lui, il travaillait avec les studios japonais. Il avait même fondé une filiale de son studio au Japon. Et c'est quand même grâce à lui qu'on a eu des dessins animés aujourd'hui cultes, comme Ulysse 31, Jess et les Conquérants de la Lumière, l'Inspecteur Gadget, ou même un peu plus tard, les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà, Jean Chalopin, qui a été un très, très grand nom de l'animation française, mais plutôt en coulisses qu'en réalisation. Et puis, je voudrais terminer avec un monsieur qui fait parler de lui en ce moment, qui est encore en activité, qui s'appelle Pierre Coffin, qui travaille au studio français MacGuff et qui a quand même signé, excusez du peu, les 3 épisodes de Moi, moche et méchant, ainsi que le préquel qui s'appelait Les Mignons. Voilà. Donc là, tu nous confirmes en fait que l'animation, le film d'animation français est très très bien placé sur la scène internationale. Jean-François disait tout à l'heure qu'on était le 3e pays producteur, c'est ça, en termes de qualité et de production de films animés ? Il paraît. Oui. D'accord. Il paraît, oui. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que les animateurs français, quel que soit leur média, que ce soit sur ordinateur ou que ce soit à la main, les animateurs français sont extrêmement bien vus à l'étranger, notamment aux États-Unis, à Hollywood. D'accord. Alors là, il y en a une question sur le chat pour Jean-François, alors qui n'est pas en rapport avec le sujet direct, mais qui rebondit sur Louise. La plage de Louise, est-ce que c'est la même où arrive la barque vide de la traversée ? C'est une question pointue. Oui, pourquoi pas, mais en général, quand je travaille sur un film, je fais remonter des souvenirs d'enfance. Donc j'ai beaucoup de plages dans mes souvenirs d'enfance, mais elles sont un petit peu dans tous les coins. Il y en a qui sont du côté de Berck, en Picardie, il y en a d'autres en les plages du Calvados, il y en a maintenant un petit peu en Bretagne. Dès que je commence à les dessiner, elles échappent à leur origine, si je puis dire. Mais on peut dire que c'est toujours la même. J'ai une plaque. Alors, comment ça se passe, votre travail ? Parce que des idées, comme vous admettiez tout à l'heure le terme de raconteur ou de conteur, des idées, vous devez en avoir des dizaines. Je suppose qu'il y a des scénarios qui traînent dans les tiroirs, il y en a qui sont plus aboutis que d'autres, etc., quelques-uns. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une idée, elle entre guillemets, mérite de devenir un court ou un long métrage? C'est le fait de pouvoir continuer à la gratter, à la développer. Qu'est-ce qui fait que c'est qu'elle continue à vous amuser? C'est quoi? Ou c'est qu'il vraiment là, il y a un truc qui doit sortir? Mais là, tu me poses la question la plus difficile qui soit. Personne n'a jamais pu définir ce qu'est vraiment une idée. C'est quelque chose. Ça peut être un visage aperçu en faisant son marché, ça peut être n'importe quoi. C'est parfois un rêve. J'ai quand même fait 2 films à partir de rêves assez précis. Lesquels ? Une bombe par hasard et surtout Plage privée, où tout le film, je l'ai rêvé avant de l'écrire. Mais peu importe l'origine, tout ensuite prend forme au moment de l'écriture, c'est-à-dire avec un crayon et du papier. Et je raconte toujours mon histoire sous forme littéraire, entre guillemets. Ce n'est pas forcément bien écrit, mais il y a une histoire. Il y a un conte, il y a une fable, il y a un roman, il y a quelque chose. Et puis de temps en temps, il y a une situation qui réveille en moi le cinéphile, c'est-à-dire je suis tellement amoureux du cinéma, pas de l'animation, mais du cinéma, prise de vue réelle, que je me dis, ben, peut-être il y a une situation que l'on peut développer, voilà. Et à partir de là, c'est l'artisan qui parle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable travail d'écriture.
Mais c'est, il y a un film qui naît. Ensuite, s'il y a d'autres circonstances qui sont favorables, et principalement la recherche d'un producteur. Alors, quand même, avec tous les prix que tu as eus, et il n'y en a pas que quelques-uns, loin de là, il n'y a pas un moment où cette situation s'est débloquée, où ça a été plus facile d'obtenir des sous? En gros, est-ce que tu es devenu bankable, quoi? Oui. Alors, excusez-moi, mais ça me fait vraiment rigoler ce genre de questions. C'est naïf, hein? Parce que c'est toujours aussi difficile. Et le film que je n'arrive pas à démarrer, là, en ce moment, qui s'appelle Skoloum. Slocum, Slocum, pardon. Slocum, que je trimballe depuis des années, et montre bien que c'est comme si je faisais un premier film. Voilà. À ce point-là, d'accord. Là, Oui, on a oui. quelques images justement de Slocum, quelques esquisses. Donc c'est JPL, la société de production, qui les avait diffusées sur Internet. C'est l'histoire d'un enfant dont le père, si j'ai bien construit un bateau dans un jardin et s'est adapté de ton vécu, en fait. Je résume un peu trop lapidairement, probablement. Non, non, mais c'est la première fois que je fais intervenir des souvenirs aussi précis de mon enfance, parce qu'ils étaient particulièrement absurdes. Mais j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup de nostalgie des années 50, où mon papa s'est mis à construire, sans aucune raison sérieuse, un bateau dans le jardin du pavillon de banlieue. C'est fantastique comme histoire. Vous n'étiez pas près de, vous n'étiez pas près de la mer à ce moment-là. Ah non, on était Alors. trop loin. On était sur les bords de la Marne, là, donc il y avait de l'eau, mais ça n'avait aucun sens. Et le bateau ne s'est jamais terminé. Et donc c'est ça que j'ai voulu reprendre parce que ça s'inscrit quand même, et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à présent, dans pas mal de ce que j'ai écrit et de choses que j'ai écrites ou que j'ai filmées. C'est-à-dire le rapport au père? Le rapport au pas fini. Oui. Et le rapport à moi-même, parce que je suis un pas fini aussi. Et le rapport à mon papa, qui n'était pas fini non plus. Enfin, des gens intéressants, parce que les gens les plus intéressants, c'est des gens qui ont des rêves, qui ont envie de voyager. On est bien d'accord là-dessus. Si on est fini, il n'y a plus rien à créer et à faire. C'est le fait qu'on soit pas fini qui fait qu'on a envie de créer ou entreprendre. Je pense, on Voilà. continue à chercher, à se chercher, à chercher tout court en créant. Et c'est vrai que les finis, les pas finis, on les a bien dans le tableau. Et c'est assez beau, de ce côté-là. Audrey, toi, tu nous parles de choses qui sont finies, c'est des romans. J'adore l'enchaînement, magnifique. Hein, t'as vu, je suis au point sur l'enchaînement. Hein. Super, super. Je m'y attendais pas du tout. Ah bah c'est le but aussi, hein. Donc oui, je vous parle de livres. Donc quand je me suis posé la question de savoir de quoi j'allais parler aujourd'hui, je me suis avisée que Jean-François était né à Besançon. Donc on a discuté juste avant et il m'a dit qu'il n'y était jamais retourné Et que je n'ai pas depuis sa rencontré, naissance. et que je n'ai jamais rencontré Victor Hugo. Ah, voilà. Mais il se trouve que moi aussi, je suis née à Besançon. Ce qui explique l'accent dont je ne parviens pas à me débarrasser depuis 25 ans que j'ai quitté cette ville. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de l'écrivain qui habite en Franche-Comté et qui viennent justement de sortir des romans. Donc j'en ai choisi trois. Donc on commence avec Casso de Jackie Schwartzmann. Donc c'est paru en début d'année au Seuil Cadre Noir, la collection de polars, de livres un petit peu noirs du Seuil. Donc Jackie Schwartzmann, c'est vraiment un personnage. Il est jeune, je ne sais plus exactement, je crois qu'il a une
entre 30 et 40 ans, je ne me souviens plus exactement. Il a arrêté ses études assez jeune après un doc de philo parce qu'il voulait vraiment se consacrer à l'écriture. Il a fait plein de petits boulots. Il a été aide-éducateur à Planoise, une cité bien connue de Besançon. Il a été libraire, il a été barman, il a travaillé à Lyon, au Luxembourg. En fait, je l'ai rencontré quand il habitait à Lyon, parce qu'il a habité à Lyon. Là, il est retourné à Besançon. Donc, il commence parallèlement à écrire des livres, vraiment toujours « Demain, c'est loin », qui a eu plein de prix. J'ai adoré aussi « Pension complète », toujours des livres un petit peu noirs comme ça. Quelque chose de très amusant aussi, il a participé au marathon de Pyongyang. Je ne savais absolument pas qu'il y avait un marathon à Pyongyang. Eh bien, si. Donc, comme il pratique la course à pied en amateur, il y a quelques années, je crois pas beaucoup, 2-3 ans, il s'est entraîné et il est allé en Corée faire le marathon. Il en a tiré un livre super drôle, très différent de ses autres livres, qui raconte justement toute cette expérience. Donc là, je vous parle de Casso, qui est sorti en début d'année. Donc Casso, oui, effectivement, comme vous pouvez vous demander, c'est en référence à Mathieu Kassovitz. Ah, c'est pas cas social, c'est Kassovitz. Non, mais qui est aussi un cas social, mais c'est autre chose. Donc le héros s'appelle Jackie Toudic. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on connaît un petit peu Jackie Schwartzman, c'est sa vie, on se rend compte que dans tous ses livres, il met un petit peu de sa vie, de ce qui lui arrive. Là, par exemple, le héros, c'est quelqu'un qui retourne à Besançon, alors que ça fait longtemps qu'il a quitté la ville. Et il se trouve que Jackie Schwartzman a quitté Lyon il n'y a pas très longtemps pour retourner vivre à Besançon. Donc, est-ce que... voilà. Donc, Jackie Toudic est de retour dans sa ville de Besançon pour soigner sa mère qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, Jackie Toudic, c'est le sosie parfait de Mathieu Kassovitz, mais vraiment le sosie parfait. Et il gagne sa vie justement en faisant des arnaques à Mathieu Kassovitz. Donc là, il va rencontrer une avocate véreuse un petit peu, et ils vont décider tous les deux, association de malfaiteurs, parce que, voilà, de monter la plus grosse arnaque du siècle, de faire croire que Mathieu Kassovitz veut monter la N2. Rien que ça. Et c'est super drôle, comme tous les livres de Jackie Schwartzman, il y a des punchlines, comme on dit, vraiment des répliques hilarantes. Ça fait du bien, des barres de rire en ce moment, c'est vraiment hyper politiquement correct. Toutes les 5 minutes, je me disais, oh là là, mon Dieu, il a écrit ça. Enfin, voilà, c'est amusant parce que ça m'a fait penser à l'émission sur la cancel culture qu'on a fait la semaine dernière. Vraiment, lisez Jackie Schwartzman, vous ne serez pas déçus si vous voulez... tenir la cancel culture très loin. D'accord, bon, ça c'est conseillé alors. Oui, alors après je vais vous parler d'Adultère d'Yves Ravet aux éditions de Minuit. Donc Yves Ravet, c'est quelqu'un d'un petit peu plus âgé, nettement plus âgé. Il doit avoir 50, 60, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il a été professeur d'art plastique et de français dans un collège de Besançon. Je n'ai pas retrouvé lequel il était. Il écrit depuis une vingtaine d'années. Il fait toujours des romans un petit peu, des romans qu'on dit estampillés éditions de Minuit. Qui ont vraiment la patte de cette maison d'édition. Ils sont très courts, ces romans. On peut les lire en une heure et demie, on les a lus. Ils sont vraiment intenses. C'est toujours un univers très inquiétant, marqué par une profonde humanité. C'est généralement un univers très banal et des personnages relativement communs. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'il les traite de façon vraiment extérieure. On n'arrive jamais à vraiment rentrer dans la psychologie des personnages, ce qui fait que c'est vraiment toujours très fascinant. Donc, basiquement, l'histoire de ce livre, c'est un homme, un gérant de station-service en plein milieu de la nuit. Il voit arriver sa femme, qui est ramenée par le président du tribunal de commerce. Et il se demande ce que sa femme fait là. Il lui demande... je me suis un petit peu perdue. Et, mais tout va bien, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc... et voilà, et en fait, ça va être une histoire de meurtre, une histoire à la Yves Ravet, une histoire qui est vraiment difficile à raconter quand on veut la raconter, parce que c'est une histoire qu'il faut lire, en fait. Chaque mot, reprend vraiment le précédent, il n'y a pas un mot en trop, on appelle ça une écriture à l'os, et vraiment, c'est chouette, je vous le conseille. D'accord. Même si j'en ai très mal parlé, en fait. Oui, mais tu donnes quand même envie de le lire. Et le roman de Jim. Oui, le roman de Jim. Alors, celui-là, c'est mon petit préféré. Pierrick Bailly, chez POL. Attends, donc, me dit qu'il est professeur d'art plastique et de français au Collège Stendhal. Ah, mais des connaisseurs. C'est Sylvie qui dit ça sur le chat. Voilà. Super. Je me rappelle même plus, en plus, où est le Collège Stendhal à Besançon.
Voilà, mais Sylvie est au courant. Je regarderai. Sylvie est au courant, elle connaît Yves Ravet, une connaisseur. Et Besançon, voilà. Et Besançon, voilà. Donc, Pierrick Bailly est le plus jeune. Il est né en 82, beaucoup plus jeune que moi, à Champagnole dans le Jura. Mais très non, beau. Mais non. Il a fait des études de cinéma et il multiplie vraiment les expériences de travail en intérim dans l'industrie, le BTP et la grande distribution. Il est installé à Lyon et il a publié environ 5 romans. C'est l'histoire, en fait, c'est une histoire relativement simple. C'est l'histoire d'Emeric qui a 25 ans, qui sort de prison et qui va rencontrer une rencontre Florence, une femme d'une quarantaine d'années qui a été une collègue avant. Cette femme, Florence, est enceinte de 6 mois et il va passer toute la fin de sa grossesse avec Florence et va élever Jim durant les 10 premières années de sa vie. C'est vraiment très beau parce que ça se passe, je ne sais plus exactement, ça se passe dans le Haut-Jura. Il y a deux thèmes qui sont vraiment très importants chez Pierrick Bailly, c'est la paternité et la nature, et vraiment ils sont hyper prégnants dans ce livre. Et en fait, à un moment, le père de l'enfant, le père biologique de l'enfant, refait surface et va pouvoir revenir dans leur vie alors qu'il avait complètement quitté. Et ça va être un déchirement pour ce Emeric, qui n'a aucun droit en fait sur cet enfant. Il l'a jamais reconnu, il l'aime comme son fils. L'enfant n'était même pas au courant que c'était pas son père, on voulait lui dire plus tard. Et ça va être, en fait, ça va se passer sur environ une quinzaine d'années. Ça va être la lente déchéance d'un homme qui ne peut pas oublier cet enfant. Parce qu'il va se trouver aussi que la mère va l'emmener, elle va vouloir couper les liens, elle va l'emmener à l'autre bout du monde, à Montréal. Il ne va pas pouvoir lâcher, il ne va pas pouvoir oublier cet enfant. Il va le retrouver quand il sera adulte, ça se passera, c'est vraiment bouleversant. Et c'est magnifique, en fait, c'est le roman de Jim, c'est un livre sur la paternité choisie, la paternité ressentie, la paternité volée. Ça bouleverse. Et j'ai fini. Mais ça a l'air bouleversant, on te voit bien bouleversé. Je te remercie, Audrey. Alors, Jean-François, justement, la transmission, c'est quelque chose qui apparaît dans beaucoup de vos films. On l'a évidemment avec Le Voyage du Prince, mais il y a toujours une idée de transmission, d'apprentissage et de transmission. Souvent, en tout cas. C'est volontaire ou c'est comme ça? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un des sujets d'un truc que je viens de publier là, puisqu'on parlait des livres, est-ce que je peux... Ah bah évidemment, justement, c'est le but. Alors, je ne sais pas si ça apparaît. Un peu plus haut, le peintre et le gouverneur, oui. Oui, c'est chez Maurice Nadeau. Le peintre et le gouverneur, on l'a vu, et qui parle de... Un bouquin qui est principalement sur le rapport de l'artiste avec le temps qui passe. Donc, c'est quelque chose qui est dans la continuité quand même avec pas mal de mes films. Oui. Et ce n'est pas vraiment une affaire de transmission, c'est plutôt une affaire de confrontation entre deux recherches de vérité sur soi-même. Voilà. Ça s'appelle Le peintre et le gouverneur. Le peintre et le gouverneur. Quelle maison d'édition? Maurice Nadeau, voilà. Le peintre et le gouverneur. Il y a Eric... Petite maison d'édition, pas très connue, mais extrêmement qualitative, ouais. Oui, elle est fameuse. Ouais, très très bien. Le peintre et le gouverneur. Il y a Eric sur le chat qui dit « Je me permets moi aussi une suggestion de lecture. » Et il nous propose « La vie agitée des eaux dormantes » d'un certain Jean-François Laguioni. Il a des bons goûts, lui aussi. Ça, c'est une très vieille histoire. Ça me fait plaisir que quelqu'un l'évoque. C'est mon premier roman dans les années 80. Alors, donc, mais avec quoi est-ce que tu es le plus à l'aise, le stylo ou le pinceau? Je suis très mal à l'aise avec l'un et l'autre. Mais... de plus en plus, de moins en moins mal à l'aise, disons, je cherche.
Avec le stylo. Parce que... Ce qui est pas mal, parce qu'en prenant de l'âge, je commence à me dire que faire un film, c'est quand même très fatigant. Et je vais me remettre à la peinture et à l'écriture de façon presque industrielle. C'est une bonne nouvelle, ça. Combien de livres publiés, Jean-François? Ben, j'ai beaucoup de nouvelles qui ont été publiées aux éditions de la Tour, Oui. des recueils de nouvelles. Ça, c'est mon activité principale, la nouvelle. Et on en parlait tout à l'heure, c'est souvent dans une de mes nouvelles que je puise un futur pour une histoire au cinéma. Alors, on l'a abordé tout à l'heure, les films, pendant ce temps-là, je fais tourner des images différentes. Là, on te voit justement en train de peindre. Il y en a une autre où t'es avec les figurines qui donneront vie au tableau plus tard. Sur le chat, il nous demande pourquoi, c'est toujours Sylvie d'ailleurs, pour quelle raison il est si dur de recevoir des aides financières après tant de réalisations? C'est une question qui est Ben, posée. on ne peut pas faire de film sans être aidé par les pouvoirs publics. On disait tout à l'heure que le cinéma, la production française d'animation est très importante, hein, si c'est la troisième au monde, mais c'est en grande partie grâce à des aides d'État qui fonctionnent dans tous les sens. Des aides au cinéma. Les aides aux écoles, il y a beaucoup d'écoles d'animation en France, c'est unique au monde. Beaucoup d'aides aux salles indépendantes, qui sont indispensables aux films d'auteur, Oui. pour ne pas être moulinés comme ça par les gros circuits de distribution. Et il y a des aides à la production. L'avance sur recette, c'est quelque chose qui fonctionne pour des films d'auteur, hein, puisque ce sont des aides qui sont attribuées au scénario du film. Voilà. Donc, sans ces aides-là, je ne sais pas si j'aurais pu faire des films. J'habiterais aux États-Unis ou en Angleterre. Je pense que je n'aurais pas fait de films d'auteur. Ton travail est autant à l'établi, avec un pinceau ou avec un petit outil de sculpture ou de découpage, que devant des formulaires BZ B23. Oui, alors c'était comme ça quand j'étais jeune. Je me battais avec ces deux casquettes-là, très difficilement. Et en passant au long métrage, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aie un producteur dont c'est le métier de faire un montage financier pour un film. D'accord. Par exemple, depuis Le Tableau, Oui. je ne m'occupe absolument plus des choses compliquées qui sont faire un devis, faire un budget, essayer de rester dans les clous. Voilà. Et j'ai eu la chance, c'est pour ça que j'ai fait quand même pas mal de films, de tomber à chaque fois sur des producteurs qui me laissaient la liberté de travailler et qui se chargeaient de cette partie du travail. Donc tu peux te concentrer sur le process créatif. On a bien compris qu'il y avait finalement, il y en a probablement plus que ça, mais il y a deux grandes étapes dans ta manière de faire à toi. La première, tu es tout seul avec ces croquis que tu peux prendre en photo après, ou avec ce livre qui va donner des croquis, qui est pas un storyboard, mais qui sert où tu vas jusqu'à poser des voix et de la musique. Et après, une fois que le studio a eu les fonds, là, c'est des centaines de personnes que tu vas superviser ou conseiller pour arriver à la création du film final. Ben, pour faire un long métrage, ça dépend des. Il y a des films où il y a beaucoup de personnages, donc il faut beaucoup d'animateurs. Dans le Château des Singes, je vous disais qu'on avait travaillé avec 300 personnes au Oui. total.
Donc, il y avait 50 animateurs dans un studio, une vingtaine dans un autre, etc. Mais là, c'est carrément un autre métier pour toi. T'as un moment où tu es dans ta grotte et l'autre côté où tu es chef d'orchestre. Mais à ce moment-là, je délègue énormément. Oui, mais il Je faut suis. être chef d'orchestre. Faut Ah, savoir être chef d'orchestre. c'est mon travail principal, d'être chef d'orchestre. Je suis à l'origine et surtout à la fin. Donc, tu écris la Parce que. partition et après, tu les laisses jouer cette partition. Voilà. Et au milieu, il y a de longs mois de labeur, hein, parce qu'il faut continuer, même en 3D, à faire 24 dessins par seconde pour chaque élément qui bouge à l'intérieur de l'image. Donc tout ça, ce sont des grosses équipes. Hein. La plus petite qu'on ait eue en 3D, c'est dans Louise en hiver, où il n'y avait que 10 animateurs. Et peut-être aussi que le scénario le permettait. C'est à moi aussi de m'arranger pour que l'histoire ne soit pas trop aventureuse. Dans celui que je prépare, là, en ce moment, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de figurants, de personnages secondaires, choses comme ça. Mais l'essentiel. Oui. Ça n'est pas tout ça. L'essentiel, c'est que son image, son histoire soit vraiment attachante et qu'il y ait une émotion qui se dégage du personnage, de telle façon que les personnages ne parlent pas seulement au spectateur, mais qu'ils se parlent entre eux, à eux-mêmes. Et si on arrive à cette authenticité-là, on a réussi son boulot. Et cette responsabilité-là, si je la lâche au moment de la fabrication du film, je la retrouve à la fin pour réunir, c'est ce que permet maintenant les techniques actuelles, c'est-à-dire toutes les différentes couches du film se retrouvent à la fin sous la direction du chef d'orchestre. C'est ça. Au début, on parlait d'un artisan de la délicatesse. D'où te vient ces... J'ai déjà eu une question de... T'as déjà eu une question difficile, tu vas pouvoir répondre à celle-là. D'où te vient cette volonté de transmettre autant de délicatesse, de poésie? Ça a un côté anachronique et c'est là depuis le début et c'est toujours là. Est-ce que tu peux l'expliquer? Non, absolument pas. Moi, je ne peux pas qualifier mon travail. Je ne pense même pas à ce que je raconte à partir du moment où j'ai lâché mon animatique, hein, la maquette. Et que Ouais. le film passe en réalisation, je ne pense plus du tout à ce que je raconte. Je pense, si j'ai des dessins à faire, je pense à mon crayon, à mon bout de papier. Et c'est ce que disait Trinka, qui est le grand marionnettiste tchèque des années 60, qui a été mon premier choc de long métrage. Avec le roi et l'oiseau, avec le songe d'une nuit d'été, uniquement en marionnette. Ce sont des films qui vont ressortir d'ailleurs, parce qu'on va redécouvrir Jiří Trinka, qui était un géant de l'animation. Bon, et Trinka disait, écoutez, le travail est tellement artisanal qu'on est obligé de se dissocier et de mettre de côté son cerveau pour ne garder que sa main, son œil, son cœur, son émotion, et de laisser tout ce qui est analyse du travail de côté. D'accord, oui, quand on avait préparé l'émission, c'est vrai que tu avais été assez surpris parce que je t'avais dit, il y a un thème, j'ai l'impression qu'on va de la survivance au dépassement pour tes personnages. Et tu m'as dit, bon, bah, si c'est ce que tu nous dis, pourquoi pas, mais moi je ne sais pas, je ne le vois pas comme ça. Et tu me dis, je me souviens, tu m'avais dit, je fais tout pour me préserver des idées des gens comme toi pour rester créatif.
Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que je vais refaire une émission avec toi dans les semaines qui viennent. Si, avec plaisir. Il y a un point dont on n'a pas parlé là depuis tout à l'heure dans le processus créatif, c'est la bande son, tout ce qui est bruitage, musique. Voilà. Comment tu abordes ça? C'est dès la création ou bien ça vient après? Oui, dès la création, je travaille avec le musicien. C'est-à-dire, j'ai pas connu beaucoup de musiciens, j'en ai connu trois, quatre, peut-être même avec Alexandre Desplat, mais qui a fait une incursion très rapide avec le Château des Singes. Mais Pascal Le Pennec, avec qui j'ai fait Louise en hiver, Le Tableau et maintenant Slocum. Mmh. C'est quelqu'un qui a le scénario, qui a les premières images, tous mes croquis, bien avant que le film soit en production. Ça, c'est, pour moi, c'est essentiel. Avec le dernier film, là, j'ai même commencé un pari un peu fou, qu'il a du mal d'ailleurs à respecter. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'il sache quel est le film que j'avais envie de faire. J'avais envie de lui commander une pièce de musique sur la durée du film et que j'allais dedans choisir les moments qui m'intéressaient sur le plan scénaristique pour construire l'histoire du film. Mais il a triché, avec la complicité d'Annick, il a réussi à savoir de quoi il s'agissait. Et quand il a su que c'était une affaire maritime, encore une de plus, il m'a demandé quelques renseignements sur la météo. Alors je lui ai dit, bon, il va y avoir 5 minutes de calme plat dans la... où vraiment rien ne se passe, sinon à l'intérieur des personnages, évidemment, sur le plan dramatique. Et puis, tu vas avoir 30 secondes de tempête et puis 3 minutes dans les alizés. Voilà. Alors, on triche l'un avec l'autre en permanence. Et on a quand même réussi, sur cette base, à enregistrer déjà avec l'Orchestre symphonique de Rennes, l'Orchestre national, d'enregistrer déjà toute la musique du film, ce qui est vraiment formidable. Donc la musique apparaît dès le début, c'est vraiment impressionnant. Sur le chat, il y a Sylvie qui nous dit, Jean-François, il est difficile à Jean-François de répondre à certaines questions. Je pense que c'est parce que ce monsieur, alors il y a des majuscules partout, est généreux, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait que c'est un grand monsieur en tant que personne et que l'on retrouve cela dans ses films. Voilà. Et d'ailleurs, je faisais une petite parenthèse, Sébastien. Oui, oui. Sur Le Prince, Le Voyage du Prince, c'est Christophe Héral d'ailleurs qui a fait la musique. Comme on parle souvent du jeu vidéo, c'est lui qui a fait les musiques de Rayman et qui a d'ailleurs eu énormément de prix là-dessus. Oui. Qui est un compositeur de Montpellier totalement allumé. Je ne sais pas comment vous avez travaillé, comment, Jean-François, avec Christophe. Là, Christophe Héral, je l'ai connu à la Fabrique au moment où on faisait le premier long métrage. Il a fait beaucoup de musique pour des courts métrages, pour La Poudrière à Valence et pour La Fabrique à Montpellier. Et mon premier film avec lui, c'est L'île de Blackmore, qui était un film de pirates à petit budget. Je voulais faire un film de pirates sentimental. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'abordages et de poursuites avec des pirates, des corsaires, des choses très difficiles à faire. Et j'avais dit, Christophe, on va faire un film, on va faire une musique pour... Non, on va faire un film de pirates pour quatuor à cordes. Ce qui n'était pas du tout hollywoodien, et c'est ce qui nous convenait à l'un et à l'autre parfaitement. Et toute la musique du film, qui est quand même un film aventureux, est avec un quatuor à cordes augmenté, un sextet à un moment. Voilà.
Et ça, c'est essentiel pour moi de partager avec quelqu'un le fond de notre affaire et ne pas se laisser embarquer par certains producteurs qui ont envie de quelque chose de plus tonitruant. Et pour l'animation, c'est le même combat. Je me bagarre souvent avec les animateurs pour leur dire, vous n'avez pas à rajouter des gestes qui n'ont aucun sens émotif ou intérieur. L'animation, je l'avais apprise avec Grimaud, qui m'avait fait comprendre que l'animation, comme le mime d'ailleurs, elle doit venir du ventre, de l'estomac, mais pas du tout de l'extérieur des mains, des doigts, etc. C'est pour ça que je n'aimais pas la 3D, parce que j'ai l'impression qu'elle était extérieure. On comprend à t'écouter que le film est une œuvre globale. Il y a la musique, il y a les voix. La voix est très importante pour Louise en hiver, entre autres, que le dessin, le scénario, il y a tous ces corps de métier qui doivent littéralement s'accorder pour faire sens, en fait. Oui, mais comme un film en prise de vue réelle, hein, Oui, c'est c'est une. ça. Non. C'est ça. Mais. Matt, toi, tu voulais nous parler, alors on n'est pas forcément dans la tendresse et dans la délicatesse, mais tu voulais nous parler de l'animation française d'aujourd'hui. Oui, enfin, d'un courant uniquement. Hein. Oui. Non, non, c'est parce qu'en fait, il y a le studio Bobby Pills qui vient de présenter sa nouvelle série. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série, on va dire, presque entièrement féminine. Enfin, c'est une réalisatrice. Il y a une équipe où il y a pas mal de filles, donc c'est assez rare dans l'animation. Pour remettre un peu Bobby Pills, peut-être avant, attends, juste avant, si tu peux mettre Ouais, Dasman. vas-y, je mets la semaine, pardon. Hop, Voilà. voilà. Alors, c'est pas Bobby Pills, mais c'est. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est visible sur Netflix, donc je pense que tout le monde doit voir cette série. Là aussi, ça a été très compliqué au niveau des budgets. La série s'est finie avec un Kickstarter, tellement c'était compliqué. Et le réalisateur, c'est Jérémy Perrin, qui pour moi est un petit génie. On a parlé de René Laloux, on a parlé de Monsieur Laguillonni, on a parlé de Grimaud. Ben, je pense que Jérémy Perrin, il s'inscrit totalement dans ses traditions et là, il bosse sur son nouveau long métrage. Et voilà, une fois de plus, allez voir cette série, c'est absolument extraordinaire. L'idée du Kickstarter, Jean-François, les campagnes de financement sur Internet par les internautes, tu y penses? Ah non, comme je vous l'ai dit, je m'occupe plus du tout et même depuis longtemps de tout ça. Je pense que on n'a pas le temps d'aborder autant de problèmes en même temps quand on a l'idée de faire un film. Oui, je comprends. Oui. Matt, je te donne la parole, Voilà. pardon. Voilà, donc c'est cousin de la société Pobby, puisque c'est adapté d'une bande dessinée qui est signée en partie par un certain Balak, qui est le directeur artistique de Bobby Pills. Donc ils ont fait pas mal de séries. Il y a une série qui s'appelle Vermine. Tu dois en avoir Oui, quelques petites images, je mets. qui est une sorte de polar assez délirant, un peu plus américain, un peu plus hollywoodien entre guillemets, mais complètement fou. Il y a aussi Crazy Young, qui est une série là totalement tarée. Je pense que c'est le dessin animé le plus dingue que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Donc c'est un peu Ken le survivant chez Freud. Et ensuite, voilà. Ah non, mais c'est hallucinant. Je vous conseille de regarder. C'est sur Netflix. Hein, enfin non, peut-être pas. Si, si. Crazy Young est sur Netflix aussi, ça vient d'arriver. Et après, il y a Pipedou, qui est une sorte d'éducation sexuelle totalement folle. Voilà, trois séries totalement déjantées. Et là c'est vraiment de l'animation adulte, hein, et pas uniquement parce que c'est branché cul pour certains côtés, quoi. Mais bon, sur le propos, sur le ton, sur la profondeur, toutes ces séries sont vraiment super. Et la toute nouvelle, ben, c'est ça, c'est comment ça s'appelle, Nymphopolis. Nymphopolis, oui, qui est d'une Voilà. beauté en termes de couleurs, ça Voilà, c'est pète. superbe, un petit côté Moebius. Oui, c'est du Moebius, Un on petit côté dirait. d'ailleurs des films de René Laloux, de ses longs métrages quand il bossait avec Casa ou Les Maîtres du Temps avec Moebius. Ouais.
Et la co-réalisatrice, c'est Estelle Chary, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et voilà, donc c'est une nouvelle série, c'est avec une équipe en grande partie féminine. Ce qui est Je rare, crois comme tu que, le dis, bon. en effet, c'est à souligner, peut-être que Jean-François a une explication là-dessus, mais c'est comme tu dis, c'est assez masculin, comme univers. Et un peu comme tous les univers artistiques, je pense que Jean-François, je sais pas ce que tu en penses. Non, enfin, dans les courts-métrages, on avait réalisé beaucoup de films de réalisatrices dans les années 80. Donc, c'est un univers. Et puis, je reconnais un petit peu l'influence de Kazin, en effet. Ouais. Non, je trouve ça très joli. Et voilà, donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animatrices, en tout cas, dans les studios. Mais c'est vrai qu'en personne aux commandes des films, il n'y a pas encore énormément. Et en tout cas, voilà, Bobby Pitts a réussi à mettre en avant une réalisatrice. Je trouve ça très bien. Et en tout cas, la bande-annonce est vraiment très prometteuse. Et ce sera une série, ça alors. Voilà, c'est une série qui est en production en ce moment. Je ne sais pas trop où ils en sont, ça vient juste d'arriver, mais il y a un petit making-of qui est présent sur Ouais, je l'ai regardé, tu m'avais Vous pouvez le donné le voir sur lien. YouTube, voilà. On le mettra sur le site onfaitsalon.tv, on mettra les liens vers Voilà, tout comme ça, on ça. pourra en savoir un petit peu plus. Et donc, un studio à suivre, Bobby Prod ou Bobby Pils, hein, il y a les deux noms. D'accord. Donc, voilà, très, très intéressant. Donc il y a une relève qui est là et qui est créative dans un autre univers qui est plutôt déjanté en fait. Oui, mais déjanté, non, c'est pas. Je pense que, voilà, c'est des gens qui parlent. C'est des gens d'une autre génération que la nôtre. Hein. Mais enfin, moi, je vois tout à fait l'affiliation avec ce que fait Jean-François Laguillonni, avec ce que faisait René Laloux. On est un peu, malgré tout, dans une suite. Il y a une filiation, de toute Sur le façon. chat, ils le disent, le studio français qui veut révolutionner l'animation adulte, mais ça veut dire en effet qu'il y a une filiation. Voilà. Exactement. Et bon, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. L'animation adulte, c'est compliqué parce qu'on parlait beaucoup du fait que la France soit troisième pays au monde, mais c'est en grande partie aussi grâce à l'animation enfant qui est très financée, aux chaînes de télévision qui achètent et qui peuvent aussi exporter. L'animation s'exporte plus facilement que le film live, d'une règle générale, enfin, d'une manière générale, puisqu'il n'y a pas de comédien, c'est plus facile à doubler. Il y a moins d'identification, on va dire, par rapport au continent, etc. Mais bon, c'est souvent l'animation enfantine qui en profite. Donc, c'est très compliqué de faire une animation adulte, autant pour des films comme le fait Jean-François que pour des studios comme Bobby Pils. Ouais. Il faut peut-être différencier un peu la production télévisuelle de séries. Et le long métrage de cinéma, qui sont deux choses quand même assez différentes à tout niveau de l'écriture et au niveau de la production. Oui, tout à fait. Oui, si demain, Jean-François, si demain Netflix te contacte et te commande un film, Mais j'aimerais bien qu'il finance celui que je suis en train de faire. D'accord. Donc pour Non. toi, donc pour toi qu'un film se regarde, on va finir sur cet aspect-là et toute cette partie-là. Pour toi, un film qu'il se regarde au cinéma, sur sa télé, par Netflix, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est qu'il soit vu et que le médium, peu importe le médium, pourvu qu'on ait l'ivresse alors en fait. Ce qui m'importe, c'est que ça reste un film. C'est ça. Voilà. La série, je ne suis pas très attiré, j'ai jamais été très attiré, mais parce que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas raconter une histoire avec les mêmes personnages qui se retrouvent souvent. Et voilà, mais ça, c'est très personnel. Hein. C'est mon travail. D'accord. En dehors, donc, on a dit que tu rappelles-nous, excuse-moi, je te demande pardon, le titre de ton livre que tu viens de sortir. Le peintre et le gouverneur, Donc ça, c'est Le peintre et le gouverneur. chez Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, et tu travailles en parallèle sur Slocum.
Tu as d'autres projets encore dans les cartons à côté de Slocum ou Slocum accapare tout ton temps? Je suis sur un autre roman qui, dans le cas où Slocum ne se ferait pas, serait la même histoire, mais sur un plan littéraire développé naturellement d'une autre façon. D'accord. Et ce Sinon, serait... si vous êtes intéressé par tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire Oui. 50 ans ou 60 ans de cinéma, les éditions de l'Œil ont fait un bouquin formidable sur mon travail, avec des entretiens, des souvenirs, etc., avec Pascal Vimney. Alors, c'est un gros album et il y a beaucoup de photos, On le voit. beaucoup Remonte, si tu peux le d'images. monter un tout petit peu. Oui, ah oui, il est beau. Voilà, ce sont les courts-métrages, tous les courts-métrages et tous les longs qui sont. D'accord. Les éditions de l'œil et le titre de Et cet ouvrage? La la Guillonie, tout Guillonie. simplement. D'accord. Bon, bah voilà, ça c'est les. On mettra les liens sur onfaitsalon.tv de toute manière, c'est important. Merci. Non, mais C'est c'est nous. pas souvent que je profite de ce genre de choses pour faire ma promotion. Non, mais on ne le vit pas comme ça et on est content. C'est plus un appel et une invitation à aller plus loin et on est demandeur. Je pense qu'on a retenu, en effet, au bout d'une heure et demie d'émission, on va peut-être arrêter là. On a même si on pourrait continuer pendant longtemps encore, je pense qu'on a à peu près le fait esquisser, en tout cas, en effet, ce parcours et tout ce qui nous attend encore après avec Slocum. On a compris que, y avait une phase de travail au secret. Après, il y avait ce travail de chef d'orchestre, que ce qui comptait finalement, ce n'était pas uniquement l'animation en tant qu'elle, mais en tant que telle, mais tout l'ensemble qui sont là au profit de l'histoire et au profit des idées qu'on a à peine esquissées, hélas. Faudra que tu reviennes. Mais c'est le temps, c'est la filiation, c'est l'apprentissage. C'est la mer, c'est la douceur, la poésie, la rêverie, puisque tu nous as aussi dit quand même que deux de tes films venaient directement de rêves. Et je pense que tout ça, c'est un moment apaisé et calme. Et je ne sais pas, moi, ça me fait du bien dans la période actuelle, particulièrement. Je ne sais pas ce que Audrey ou Stéphane ou Matt, vous en pensez pour conclure l'émission, vous aussi. Ça m'a donné envie d'aller tous les voir. Merci beaucoup. Stéphane, Matt. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, c'était vraiment passionnant. C'est toujours un bonheur de comme ça de découvrir l'univers d'un artiste. Donc c'était vraiment passionnant. Je pensais tout à l'heure, j'ai pas voulu t'interrompre, mais je pensais juste que le comble quand même pour Sclotum ou pour un autre serait quand même que un jour, enfin que tu ne réussisses pas à le produire et qu'un jour quelqu'un d'autre l'adapte au cinéma, non? Ça te mettrait pas un peu les boules, ça? Non, ça me ferait plaisir, parce que du moment qu'il reprend mon histoire, parce que c'est quand même quelque chose qui est très intime au départ. Ouais. Ben voilà. Matt? Voilà. Moi, je suis très content, hein, puisque déjà, je cherchais à voir tous les films de Jean-François Guillaume avant cette émission, puisque je préfère carrément les films d'animation aux films live. Donc, je suis un Bon peu un cas à part. ben. Non, mais on a tous été touchés. Elust sur le chat, comme beaucoup d'autres, dit un grand merci pour ce live et pour le temps que Monsieur Laghiani a bien voulu nous consacrer à tous. Jean-François, il y avait une énorme attente quand on a annoncé l'émission. On te remercie beaucoup de ce temps que tu nous as consacré. Mais c'est moi, c'était vraiment un plaisir. Et on souhaite que tu auras tous les fonds. Et au Japon, il y a un statut, on a parlé de Miyazaki, qui est celui du patrimoine vivant. On milite pour que tu puisses ce statut en France et pour que tu sois dégagé des contraintes financières pour pouvoir créer librement. On te remercie beaucoup. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon confinement. Merci sur le chat. Et n'oubliez pas, merci à Martine Bourda aussi qui nous regardait sur le chat. N'oubliez pas, eh bien, si vous avez aimé l'émission, de la partager, de la liker, de vous abonner et de nous faire connaître. On mettra tous les liens
du travail de Jean-François Laguioni sur le site onfaitsalon.tv. Dès demain midi, vous pourrez retrouver tous les liens, que ce soit ses livres, que ce soit les films. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon confinement. Ciao tout le monde, bye. Au revoir. Allez. Et voilà. Très bien. Pourquoi t'es désolé? Bon, j'étais nulle en fait. Je passe pas un peu de trucs. Ah, si, hein, ouais. En fait, je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas bien là. Putain, j'espère que j'ai pas chopé le Covid. Merci. Ouais, je vais vous laisser parce que je. Bon. Prends soin de toi. Désolée d'avoir été. J'ai perdu le fil deux fois là. Non, non, t'étais bien. C'était, moi j'ai trouvé que c'était bien. Bah oui, ça. Non, mais ça a fait les liens avec les livres de Jean-François et tout. C'était bien. S'il y avait la région, il y avait tout. C'était bien. Bon, mais vous êtes sympa. Et puis même quand t'es bordélique, tu donnes envie de lire le. Bon, bah écoute, c'est un monsieur français. Ouais, ouais, ça va, ouais, beaucoup mieux. Ouais. Bon, petite période difficile, mais ça va mieux là. Tant mieux. Ouais.